Salut a tous e soyez les bienvenus, sejam bem-vindos à nossa aula desta noite, que vai ser uma aula diferente. Hoje eu vou entrevistar le prof nomade, um canadense que deu a volta ao mundo, que anda viajando pelo mundo, já tá aqui, le prof nomade. Tô fazendo só, je fais la présentation en portugais et je t'appelle, donne-moi une seconde. E vai ser muito massa a nossa conversa hoje, porque ele é canadense, ele é professor de escola. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir o francês do Canadá, mas também de ouvir um pouco sobre o francês falado ao redor do mundo. E quem sabe também fazer a sua pergunta. Então vou chamar aqui le prof nomade. Voilà, je vais t'appeler. Alors, comment ça marche? Voilà. Alors, je pense que tu as reçu... Voilà, voilà, ça marche. Bonsoir. Salut. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Super, super, merci. Merci à toi, merci d'être là. Et je vais te demander, alors tout d'abord, t'expliquer que je vais parler en français, en portugais, surtout en français. Mais quelquefois, je vais montrer un peu quel est le contexte de ce que nous sommes en train de dire, pour que les gens puissent comprendre. Alors, je vais demander que tu te présentes, s'il te plaît, parce que tu ne t'appelles pas le prof nomade, quand même. Non, 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 exactement. Donc, je m'appelle Olivier. Je suis un enseignant à l'école primaire au Québec, au Canada, depuis plusieurs années. Donc, je travaille dans le milieu scolaire depuis 2007. Donc, ça fait longtemps que je travaille auprès des jeunes. Et voilà, donc, je suis également un grand voyageur. C'est ma passion numéro un. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs voyages depuis, je dirais, 2006. Je voyage à tous les ans. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. Le voyage, là, c'est vraiment ma passion numéro un. Excellent, Olivier, excellent. Et alors, tu voyages depuis plus de temps que ce que tu es prof, en fait. Oui, en fait, j'ai fait mon premier... je dirais, voyage, j'avais, je dirais, j'étais à l'école secondaire, ce qui peut-être correspond plus au lycée en Europe, dans le système français. J'ai fait un stage justement en France, donc je trouvais ça génial de faire un premier voyage outre-mer en France, hein, étant donné qu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Donc, c'est très intéressant de pouvoir faire un premier, on appelle ça un stage. Donc, c'était dans le cadre d'un cours de latin. Donc, j'ai eu des cours de latin à l'école secondaire que j'ai fréquentée. Et par la suite, j'ai fait un stage en Chine en 2006 dans le cadre d'un cours de sciences humaines au Cégep qui correspond, je ne sais pas si tu as déjà entendu avec Audrey peut-être. Donc, le Cégep est... Et dans le fond, c'est 2 ou 3 ans, c'est juste avant l'université, c'est un pré-universitaire. Donc, entre l'école secondaire et l'université, il y a le collège, le cégep. Oui, en France, on appelle ça la prépa. La prépa, oui. Ce n'est pas obligé, je ne sais pas si dans le système canadien, c'est la même chose, mais en France, ce n'est pas obligé, mais c'est une manière d'avoir un CV... encore plus préparé pour atteindre de meilleures universités, de meilleures places à l'université. C'est la même idée? Oui, c'est souvent des programmes pré-universitaires, mais également, ils offrent des techniques. Donc, des techniques de 2-3 ans, on se spécialise dans un domaine, puis on peut sortir de l'école avec un diplôme et pouvoir directement aller sur le marché le marché du travail. Mais alors, ça équivaut donc au lycée, vraiment? J'imagine, le cégep commence vers 17 ans, donc 17-18 ans. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas tout à fait le programme français, mais c'est ça, c'est un programme pré-universitaire ou technique, donc on se spécialise. Par exemple, pour devenir enseignant, on doit faire 4 ans à l'université, mais je devais faire 2 ans un DEC en sciences humaines, on appelle ça, d'une durée de 2 ans. C'est un pré-universitaire pour pouvoir être accepté par la suite à l'université. Parce que l'école secondaire se termine vers 16-17 ans, je crois. On n'est pas encore assez mature pour passer directement à l'université. Donc, c'est un genre de tremplin pour passer à l'université. Ouais.
Ouais, tous les systèmes sont différents. Le système français est différent, le système brésilien est différent. Et d'ailleurs, je vais juste expliquer un peu à ceux qui ne comprennent rien pour l'instant de ce que nous sommes en train de faire ici et de quoi nous parlons. Pessoal, é o seguinte, esse é o Olivier, que é professor canadense, viciado em viagens internacionais. A gente vai conversar bastante sobre isso. E eu trouxe ele aqui para vocês poderem ouvir o sotaque canadense. Eu já trouxe a Audrey em outro momento, e aí eu entrei em contato com o Olivier. E aqui ele está contando um pouco do sistema canadense, do percurso dele, do que ele fez como estudos. Então, espero que vocês estejam gostando. E se você não fala nada de francês ainda, ou está com dificuldade de entender o sotaque diferente, é uma oportunidade. Pense nisso como uma oportunidade para você se abrir aos sons e ouvir, mesmo que você não esteja entendendo tudo. Continue aqui com a gente, escute, porque isso vai fazer com que a sua compreensão melhore cada vez mais. Voilà. Alors, c'est curieux parce que souvent les Brésiliens, ils ont tendance à penser et à sentir que l'accent canadien, c'est un accent mélangé français-anglais, mais dans la musicalité très, très anglais. Tu penses que c'est comme ça ou Non, pas? parce que en fait, il faut comprendre premièrement que le Canada là, comprend 10 provinces. Donc, et c'est le deuxième plus grand pays du monde. Donc, les distances sont très éloignées. Et il y a des communautés francophones un peu dispersées dans le pays, donc un peu partout. Par contre, le Québec est une province majoritairement francophone. Et tu es du Québec ou Oui, tu es du... exactement, du D'accord. Québec, plus précisément de Montréal, donc je dirais la plus grande ville, la métropole du Québec. Il faut comprendre que le Canada, il y a deux langues officielles, donc tout est écrit en deux langues. Si tu veux travailler pour le gouvernement, tu dois parler les deux langues, même si la population du Québec est de seulement 9 millions par rapport à 40 millions au total du pays. Nous sommes une minorité. Nous sommes un peu comme. Je veux pas comparer le Brésil en Amérique du Sud parce que vous êtes entouré de pays hispanophones, mais Oui. parce que ben, vous avez une population beaucoup plus importante que la nôtre. Mais on est comme une ville américaine tout en ayant encore un petit côté européen. Donc, c'est un beau mélange. Donc, c'est une culture unique. Ça attire beaucoup de joueurs de football francophones, justement, à venir jouer au Québec parce que c'est vraiment la seule ville, la plus, dans le fond, Montréal est la plus grande ville francophone de l'Amérique du Nord. Donc, c'est assez intéressant comme mélange de cultures. On est assez unique dans ce genre-là. Puis, il y a des francophones un peu partout dispersés au Canada, mais nous, la vie se passe en français. On est très, très, très protecteur. On essaie de protéger notre langue le plus possible. C'est difficile. Tous les panneaux sont en français. Même tous les noms de restaurants sont traduits en français. Donc, comme je le disais aussi, lorsque tu as communiqué avec Audrey, on dit pas le KFC, donc on dit bien le PFK. On a traduit les lettres. Donc, c'est vraiment spécial. On est très fiers de notre langue. Puis on fait de notre mieux pour la conserver. Excellent. Et est-ce que l'accent entre les différentes provinces où on parle français est très différent? Parce que Oui. je n'ai jamais eu l'occasion de parler à des gens d'autres provinces pour l'instant. C'est sûr que si on parle avec des francophones qui vivent dans une autre province, sûrement qu'ils vont parler autant en français qu'en anglais. Donc peut-être qu'ils ont une mère francophone, un père anglophone, donc ils vont avoir un accent plus prononcé, je dirais. Mais même au Québec, dans la province du Québec, qui en fait, juste pour vous donner une idée, c'est une province qui est 5 fois plus grande que le territoire de la France. Juste pour vous donner une idée, les distances sont très longues entre chaque ville. Pour vous donner une idée, juste dans le Québec, les accents sont différents d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, il y a des blagues entre les régions, des petites rivalités sur les accents et tout, mais c'est rien Est-ce de. que pour Oui. moi tu as un accent différent d'Audrey, par exemple? Mais. Déjà. Et elle a dit qu'elle habitait proche de Montréal. Je ne sais pas où, mais elle a dit qu'elle habitait pas très loin de Montréal. Et pour moi, déjà, tu as un accent différent. Bon, OK. En fait, je voyage beaucoup, puis Oui. je suis un peu caméléon. Donc là, en ce moment, OK. je vous parle comme. J'adapte mon français un peu. Je ne parle pas comme je parle avec mes amis ou ma Okay. famille,
Par contre, j'ai toujours fait attention à mon français. J'essaie de... C'est sûr qu'il y a des Français, il y a des Québécois qui vont utiliser beaucoup plus de mots. Dans le fond, ils vont parler puis vous n'allez rien entendre. Donc, j'ai déjà voyagé avec un ami. Je le salue, Guillaume, en passant, où je devais traduire pour. Je devais traduire parce que les autres, les Français ou les Belges ou les Suisses qu'on rencontrait en voyage ne comprenaient pas là, son accent. Mais moi, j'ai une facilité. Peut-être que c'est mon côté aussi enseignant qui veut être certain de me faire comprendre. Donc, c'est vrai, j'ai rencontré beaucoup de francophones en voyage. Puis, on me dit que j'ai un accent, mais ce n'est pas un accent très fort lorsque je te parle en ce moment-là. Donc, ouais, je m'adapte selon les personnes. Super. Alors, en parlant de ça, je suis franco-brésilienne, mais je suis complètement consciente que souvent les Français de France, les gens qui parlent français en France, pensent que le seul vrai français, c'est le français de France. Et alors, c'est vrai aussi, moi, mes étudiants, qui sont des gens qui parlent portugais, ils me disent souvent, mais c'est bizarre parce que quelquefois, je dis un mot qui, bon, c'est pas tellement distant de ce qu'ils disent eux et ils arrivent même pas à comprendre. Et alors, c'est intéressant parce que si toi-même tu parles français et qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a une espèce de, je dirais plus qu'un protectionnisme dans ce cas, c'est une fermeture peut-être de certains français, on peut pas généraliser non plus, mais une fermeture par rapport à la différence, tout simplement. Ouais, mais en même temps, il faut comprendre que le français parlé au Québec ressemble plus au vieux français, le François, en fait, parce que c'est les Français qui sont arrivés au Québec. Donc, nous, on a pris cet accent. Donc, qui parle le vrai français? Pour moi, c'est vraiment pas important. Puis moi, je Ben, trouve ça ça. n'existe pas tout simplement. C'est comme nous, on parle le portugais, mais c'est pas le portugais, c'est pas exactement le portugais parlé au Portugal. Et quand on arrive au Portugal, on a l'impression que c'est même drôle, mais pas méchamment. Mais par exemple, si je suis allée au Portugal et il y a des choses qui sont culturelles, mais qui passent par la langue et qui sont vraiment très différentes. Un exemple, j'étais au Portugal, on était dans un bar, resto, bistrot, et personne ne nous servait. Alors je me suis levée, je suis allée jusqu'au balcon et j'ai demandé à la femme, excusez-moi, est-ce que je passe la commande ici ou est-ce que vous venez à table? Alors là, elle me regarde d'un air complètement étonné. Elle me dit, mais si vous êtes ici, vous passez ici. Alors, c'était juste, pour elle, c'était absurde que je lui pose cette question. Et pour moi, c'était tellement bizarre qu'elle me réponde ça parce que, et ça me faisait rire. Ils prennent vraiment les expressions, tout ce qu'on dit, c'est vraiment exactement mot à mot. Tandis qu'au Brésil, on a une manière un peu atténuée de dire les choses. J'imagine que, je ne sais pas si cette différence-là exactement, mais souvent quand on trouve ça drôle, bizarre, etc., c'est tout simplement une différence culturelle aussi. Ah oui, puis ça fait partie du voyage, Ben oui. les rencontres, c'est ça qui rend les voyages magiques. Moi, souvent, mais il y a beaucoup de Français qui habitent à Montréal. Donc, il y a même un quartier qu'on appelle le quartier des Français, là, donc j'ai un blanc de mémoire, je vais y revenir. Mais bref, lorsqu'il y a des touristes français dans les bars, dans les restaurants, les serveurs doivent préciser qu'on doit donner un pourboire. Donc ça, c'est une différence culturelle. Ici, on donne un pourboire pour presque tout. Donc, ça fait partie du voyage et des différences. Mais moi, c'est ça que j'aime justement du voyage, c'est d'aller de vivre une expérience autre que ma vie Tout à fait. routinière du Québec, là. Donc, ouais. Alors, c'est ça. Donc, j'aimerais savoir, là, j'ai une question. Désolé, j'ai une question. Bien Les sûr. Brésiliens pensent quoi des Canadiens, l'image qu'ils Ah ont ben, des Canadiens? je vais relancer la question à tous ceux qui nous accompagnent. Je vais la dire en français et en portugais. Donc, vous avez compris la question. Qu'est-ce que les Brésiliens pensent des Canadiens? Des Canadiens ou des Québécois spécifiquement? Des Canadiens, parce Des que, Canadiens. ouais, c'est ça. Je veux juste Souvent, savoir. je vais donner mon opinion après, je voudrais que les gens répondent, alors je la lance en portugais aussi. Pessoal, o Olivier está perguntando aqui o que os brasileiros pensam dos canadenses? E aí eu acho que vocês são as melhores pessoas para responder isso,
Manda aí a resposta de vocês. Il y a déjà quelques réponses. Marina, qui d'ailleurs est une élève à moi, les Canadiens sont très gentils. C'est vrai, on écoute souvent ça, que les Canadiens sont très gentils. On va voir qui d'autre. Je vais régler un truc de lumière. Hop là, voilà. Pendant que les gens répondent. Le Canadien est un Américain plus relaxé. Que vous êtes très respectueux. Oh là là. Ils sont sympas. C'est vrai qu'en général, on n'entend que du bien, en réalité, que de bons commentaires sur les Canadiens. J'ai déjà entendu dire tout ce que les gens sont en train de dire là. Souvent aussi, ils disent que les gens ressemblent pas mal, en fait, aux Brésiliens. Et je pense que d'habitude, quand un Brésilien, si tu demandes à un, ils sont aimables, qu'un système éducatif est très organisé, donc que les Canadiens ont un système d'éducation très, très organisé, qui sont flexibles, réceptifs, qui reçoivent bien les gens. Donc, je pense qu'il y a une grande différence de ce que les Brésiliens pensent des Canadiens et d'un côté des Français et d'un autre côté des Américains. Donc, ce sont des Américains plus relaxés ou qui sont très gentils, très aimables et ça en opposition aux Français parce que si je posais la même question par rapport aux Français, ça serait non, les Français sont toujours de mauvaise humeur, qu'ils sont antipathiques, etc. Donc, c'est assez intéressant. Parce que c'est vraiment une vision complètement différente. Que du bien des Canadiens et même davantage des Québécois et des Acadiens. Ça, c'est ma tante, parce que j'ai des origines acadiennes, donc on ne rentrera pas dans ça, mais ça fait partie d'une communauté canadienne là, particulière. Donc, ouais, mon nom de famille est très acadien. C'est une partie, c'est des personnes qui habitent à l'est du Canada. Pardon, Chiasson. Ah, d'accord. Donc, comment? Chiasson. Chiasson. Oui, exactement. Donc, ouais, c'est ça. Mais, c'est super. Mais, tu sais, en voyageant aussi, j'ai souvent des beaux commentaires. Je suis content que les Canadiens aient une bonne réputation à travers le monde. Donc, quand je voyage, je reste généralement dans des hostels, des auberges de jeunesse. Les gens, là, les gens à l'accueil... Lorsqu'ils voient que c'est un Canadien, habituellement, sont assez contents de nous accueillir. Oui. Donc, tant mieux. Mais Je pense que c'est un peu la même chose pour les Brésiliens. En général, les gens ont une bonne... Mais c'est toi qui vas me dire, qu'est-ce que les Canadiens pensent en général des Brésiliens? Ben, les Brésiliens sont fêtards. Est-ce que ça se dit, fêtards? Fêtards, oui. Ils aiment faire la fête. Fêtards. Oui, très émotifs. Ils vivent leurs émotions à 100%. Donc, s'ils sont joyeux, sont très joyeux. S'ils sont en colère, sont très en colère. Sinon, bon, c'est des passionnés de... Je vais y aller avec le cliché, mais de soccer, de foot, de football. Je ne sais pas si vous dites football ou soccer, vous, au Brésil. On dit football. On dit football. Ouais, l'accent transforme le mot football en football. Puis, des personnes vraiment... J'ai quelques amis à Montréal parce que la communauté brésilienne est très forte aussi à Montréal. En fait, Montréal, là, pour vous donner une idée, c'est comme New York, en plus petit, mais francophone. Donc, je me sens que tu sois, peu importe ta couleur de peau, ta religion, une différence, peu importe, même un handicap, personne ne va te regarder de différentes manières. Tout le monde est différent puis tout le monde se respecte dans la rue. Donc, on est très ouvert à la diversité. Par exemple, à mon école, je suis un enseignant d'élèves de sixième année, ce qui correspond à des élèves de 11-12 ans. Et tous ont des origines différentes. Donc, ce ne sont pas seulement des petits Canadiens québécois d'origine. Donc, il y a beaucoup de métissage également entre les cultures. Mais en général, il y a même des restos et des bars brésiliens. Donc, c'est possible de... Mais c'est toujours... c'est des gens joyeux qui aiment la vie, qui vivent à 100%, qui vivent le jour, selon moi. Côté brésilien, là, je sais que le Brésil est un pays énorme. En fait, j'ai
pas eu l'occasion encore de le visiter parce que j'étais à la C'était ma frontière. prochaine question. J'étais à la frontière d'Iguazu, en Argentine. Et en 2009, lorsque j'étais là, 2019, pardon, les Canadiens devaient payer un visa pour visiter le Brésil. Et un mois plus tard, ils avaient enlevé cette obligation. Donc, si j'avais été là un mois plus tard, c'est sûr que j'aurais traversé au moins pour avoir un petit aperçu. Mais je pense que pour visiter le Brésil, on a besoin d'au moins 2 mois, 3 mois pour vraiment l'apprécier parce que c'est l'Amazone, c'est la plage, c'est la ville, il faut voir plus qu'une région, je pense, pour comprendre le Brésil. Tout à fait, tout à fait. Je pense que là, on se ressemble pas mal, Canada et Brésil, vu la taille des deux pays. Et le Brésil, en plus, c'est un pays vraiment de contraste absolu. Donc, tu as des régions très riches, comme São Paulo, c'est une région très riche économiquement par rapport à la ville, bien sûr. Bien sûr qu'il y a de la pauvreté, il y a beaucoup de pauvreté, de misère même. Dans la ville de São Paulo, mais c'est vraiment une mégalopole comme New York, tout comme New York, tout comme n'importe quelle grande ville. Moi, j'habite à São Paulo. Mais en même temps, tu as, par exemple, tu as dit, ben, tu aurais pu traverser la frontière et connaître le côté brésilien. Alors là, si tu connais la région de Foz do Iguaçu au Brésil, ça n'a absolument rien à voir. Mais alors, moi, je ne connais pas encore. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les grosses villes ou avec le Nord-Est ou avec Rio ou avec le Sud. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de différences ou même l'Amazone. Donc Puis c'est une... même du côté argentin, ça n'a rien à voir avec le reste de l'Argentine. Donc, Voilà, tout à fait. ouais. L'Argentine aussi est un très grand pays. Moi, j'habitais 3 ans en Argentine. Ah oui, Donc je quelle connais ville? bien. J'ai habité à Buenos Aires, mais j'ai connu d'autres régions aussi, surtout vers le nord. Vers le sud, j'ai connu un peu la Patagonie, mais c'était pas en hiver. Mais j'ai connu la région de Salta, Ishigualasta, San Juan, Cordoba, Cordoba, Mendoza. Mendoza. Voilà. Ouais. Super. Tu Puis es resté combien de temps la en Argentine? relation entre les Brésiliens et les Argentins, c'est bien en général. Parce que j'ai croisé beaucoup de Brésiliens en Argentine, au Chili, un peu partout en Amérique du Sud. Mais est-ce qu'il y a certaines rivalités entre les pays Oui. sud-américains? Oui, surtout entre le Brésil et l'Argentine, et surtout à cause du football, en fait. Et c'est une rivalité. Moi, en habitant en Argentine, à chaque fois que je connaissais un Argentin et qui savait que j'étais franco-brésilienne, ou en tout cas brésilienne pour eux, c'est plus proche que le fait de leur dire ben, je suis brésilienne. Et à chaque fois, ils étaient en fait très, très, très gentils avec moi. J'ai jamais senti de rivalité vraiment, oh non, une brésilienne. Sauf, alors là, je vois qu'il y a Federico Alejandro Contreras, qui est quelqu'un qui me suit, un abonné d'Argentine, justement. Mais le seul moment qui a été terrible pour moi, c'était vraiment la Coupe du Monde. Alors là, c'était l'horreur, parce que vraiment, il y a une grosse rivalité dans le football entre le Brésil et l'Argentine. Et alors, juste le fait que les gens sachent que j'étais brésilienne, je vais devoir dire un mot très français. Je sais que vous aimez pas les Canadiens, mais ça me faisait chier. Non, on le Excuse-moi. dit très bien. Vous On le le dit dites, aussi. d'accord. Je pensais que vous utilisiez moins de gros mots comme ça. Oh non. Mais voilà. Alors, c'était un peu horrible pendant la Coupe du Monde, mais le reste, vraiment, j'ai adoré habiter en Argentine, j'adore les Argentins. Donc, Et l'Allemagne a rendu service au Brésil en les battant parce qu'il n'y a pas eu de confrontation oh Argentine-Brésil en là là, finale. cette S'il y histoire. avait eu une Alors, finale, en ouh fait, là moi, j'ai habité en Argentine pendant la Coupe d'avant, la Coupe du Monde d'avant. Et alors, le Brésil et l'Argentine ont été éliminés à cette époque. Tu aimes le football, je Oui, vois. beaucoup, beaucoup. Pour un D'accord. Canadien, c'est rare, mais oui. Ok. Mais pendant la Coupe du Monde dans laquelle j'étais en Argentine, c'était, je ne sais plus qui a été, je pense que la Hollande, ou... Non, non, l'Espagne avait gagné. Et le Brésil et l'Argentine avaient été éliminés en quart de finale. Sauf que le Brésil avait été éliminé quelques jours avant. Et pour que tu aies une idée de la rivalité, les Argentins me disaient tout le temps, non, non, mais vous avez été éliminés avant nous.
Et c'était juste la même chose. Parce que le corps a eu lieu quelques jours avant. Voilà, c'était ça. Le match avait eu lieu quelques jours avant et ils étaient là. Non, 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 vous avez été éliminés avant. Nous, on a été un peu mieux que vous. Ah. Non, c'était juste la même chose. Et voilà. Ah, c'est... Alors, on parle de voyage. Avant, oui. Je refais une introduction de nouveau en portugais. Pessoal, se você não está entendendo nada, se você quer conseguir entender uma conversa como essa, rapidamente, em apenas 6 meses, não deixem de participar da Jornada Fale Francês, que começa na segunda-feira. E para você participar deste evento 100% online e gratuito, é só você apertar no meu nome aqui em cima e na minha página, e lá tem um link para você se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, me manda um direct. Vou continuar aqui a conversa com Olivier, que é um professor... no Canadá, professor de escola. Tu m'as dit que tes élèves, ils ont 11, 12 ans, c'est ça? Exact, exact. Que, de alunos de 11, 12 anos. E ele é viciado em viagens. Então, agora eu vou perguntar um pouco para ele sobre viagens. E se você também tem uma pergunta para fazer para ele, porque ele já conheceu muito lugar ao redor do mundo, manda aqui a pergunta que eu vou ajudar você a formular e a gente vai ter a resposta dele. Alors, on parle de voyage. Quels sont, je ne sais pas si c'est possible que tu nous dises tous les pays que tu connais, vu que j'ai cru comprendre que tu en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais quels sont les pays que tu connais? Mais c'est ça, j'ai visité quand même 40 de pays. Donc, je ne vais pas les énumérer. Ils sont tous présents sur mon site Internet. Donc, il y a une section destination. Si ça intéresse des gens, je vous invite à aller faire un tour. Mais j'ai visité plusieurs fois l'Asie. C'est le continent, je crois, sur lequel j'ai voyagé le plus souvent. J'ai vécu en Chine pendant 6 mois, durant lequel, en fait, j'ai pris une année sabbatique pendant mon université, puis je suis allé enseigner le français aux des cours de conversation pour les futurs immigrants chinois qui allaient en Chine ou au Canada. Donc, c'est des cours de conversation, puis j'ai même rencontré un étudiant à Paris. Il habitait à Versailles, donc j'ai eu l'occasion de le revoir quelques années plus tard. Je lui avais enseigné le français. J'ai visité, je ne sais pas ce qui vous intéresse, mais j'ai visité presque toute l'Amérique du Sud, quelques pays d'Amérique du Sud. Sauf le Brésil. Exact. Je le réserve pour un long voyage. Ah, d'accord. Connaît le Brésil, pessoal, ainda. Oui. C'est sûr que je voulais mettre aussi l'accent sur les pays, les autres pays d'Amérique du Sud parce que j'avais de la facilité avec l'espagnol. Donc, lors de mon voyage en Amérique du Sud, je ne voulais pas parler un mot en anglais. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'apprendre l'espagnol. Combien de temps tu es resté en Amérique latine? Le dernier voyage, j'ai passé 4 mois. Donc, 4 mois, mais j'y suis allé à 2 reprises à l'Amérique du Sud. Ouais. Et comment tu fais ça? Tu prends tes vacances pour voyager ou tu prends des... En tant qu'enseignant, on a 2 mois l'été de vacances. Donc, habituellement, je pars l'été, mais comme... sinon, par exemple, les vacances de Noël, j'y suis allé 2 semaines au Guatemala. J'essaie des fois de prolonger quelques congés. Pour avoir 2 semaines minimum. Mais habituellement, l'été, je pars 5 à 6 semaines. Ça me laisse assez de temps pour pouvoir me faire une idée du pays, là, puis prendre du temps pour relaxer. Mais la dernière année, comme j'ai dit, là, en 2018-2019, je suis parti 1 an sans revenir au Québec. J'ai commencé, je peux faire un petit résumé de mon itinéraire. Donc, je suis parti en avion. Oui, il faut prendre l'avion pour aller... dans la province la plus à l'ouest du Canada, la Colombie-Britannique, c'est 5 à 6 heures d'heure de vol, donc pour passer du Québec à Vancouver. Puis j'ai visité un peu la côte ouest américaine des États-Unis. Puis après, je suis retourné, puis ça, je vais faire une parenthèse, mais c'est un petit voyage de foot pour commencer. Je suis allé voir plusieurs matchs de football. Puis après, j'ai pris l'avion pour Taïwan. J'ai passé quelques semaines à Taïwan et après j'ai visité l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie, la Birmanie, la Thaïlande, les Philippines. Je vais pas tous les énumérer là, mais quelques pays d'Asie pour ensuite prendre un vol pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Puis de la Nouvelle-Zélande, j'ai retraversé le Pacifique vers le Chili. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon trajet. Et là, j'ai terminé mon voyage Bolivie. J'ai
pris du temps en Colombie, Chili, Argentine. J'ai passé une semaine à Montevideo, en Uruguay. Puis, en fait, mon voyage aussi, il se planifiait selon un peu les billets d'avion, les dates. Donc, j'ai vu que pour retourner à Montréal, les billets les plus accessibles passaient par le Panama. Donc, j'ai passé 2 semaines au Panama pour terminer mon voyage. Donc, c'est un long voyage. À la fin, j'étais un peu épuisé parce que, bon, tu le sais, j'ai filmé dans les écoles là, à travers le monde. Donc, j'ai fait des visites. C'était pas juste un voyage de plaisance. J'ai planifié des rencontres dans les écoles. J'ai visité 16 écoles au total durant ces 12 mois-là. Donc, c'était de la préparation, la pré-préparation. Donc, il fallait que je rentre en contact avec des directeurs d'école, des enseignants, même que à certains moments, c'était par exemple, au Chili, c'était un Chilien que j'ai rencontré en Malaisie qui m'a mis en contact avec une école. Même chose en Argentine, c'est un Argentin que j'ai rencontré en Thaïlande qui m'a aidé à rentrer en contact avec les écoles. Donc, c'est tout un projet là, vraiment, vraiment enrichissant, une expérience d'une vie. C'est un voyage d'une vie là. C'est pas quelque chose qu'on fait fréquemment de partir 1 an sans salaire. Donc, c'était quelque chose un peu de plus ou moins préparé, mais j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Puis j'ai pris une coupure, puis j'ai dit OK, je pars. Puis je m'étais donné une mission. Cette mission était justement de rentrer en contact avec les jeunes du primaire, mais dans un contexte outre-mer, dans d'autres pays. Donc c'était vraiment vraiment enrichissant. En tant que touriste, on n'a jamais l'occasion de visiter une école primaire, c'est assez bien, c'est sécurisé. Donc, dans plein d'écoles, il y a des gardes devant les écoles, je comprends, des gardiens. Mais rentrer en contact avec les jeunes d'un pays, voir leur quotidien, nous fait comprendre plein de choses sur le pays. C'est vraiment. Est-ce que tu es allé en général dans des écoles publiques ou Je dans dirais l'école où tu pouvais? 80% des écoles publiques. 80% des écoles. Ouais. Donc, j'ai vu un peu comme en Malaisie, c'est une école privée islamique. Vraiment intéressant comme programme. Ils apprennent 4 langues à un jeune âge. C'est vraiment un autre monde. Au Chili aussi, j'ai visité une école privée. Mais sinon, en général, je dirais des écoles publiques. Ouais. Des écoles vraiment dans des conditions, comment dire, c'est triste là, dans le sens que, bon, pas de service pour les enseignants. Donc, l'enseignante qui enseigne avec son bébé dans les bras, ouais, c'est vraiment, souvent, nous, les enseignants au Québec, je veux dire, on chiale. Non, chialer, ça, c'est très québécois. Hein? Chialer, Mais tu je connais? comprends. Oui, Chialer, parce on qu'en râler, France, râler? en France, chialer, ce serait pleurer, Oh, mais je comprends ce que tu veux ouais. dire. Ça, respecter, râler, ouais. Exactement, on se plaint des conditions comme mais quand on se compare, on peut pas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se plaindre. On veut toujours des meilleures conditions, je comprends, parce qu'on a les moyens au Canada, mais j'ai vu des conditions qui ne s'expliquent pas, qu'on ne peut pas prendre en photo. Donc c'est assez tu sais, des enfants. Mais ce que j'ai. Ce que j'ai, si je devais résumer mes visites, c'est que les enfants, en général, dans ces écoles-là publiques, dans les villages, les enfants sont contents d'être présents à l'école. Ils apprécient la chance d'aller à une école. Tandis qu'ici, bon, c'est acquis, hein, parce que l'école est obligatoire au Canada pour tous jusqu'à 17 ans. Elle est gratuite. Donc, les enfants, bon, ils aimeraient peut-être plus jouer aux jeux vidéo. Ils apprécient pas le. Ils comprennent pas la réalité là. Donc Ouais, c'est qu'aussi, j'imagine que l'autre côté, c'est ne pas aller à l'école, c'est jouer à des jeux vidéo, tandis que dans beaucoup de pays, ne pas aller à l'école, c'est travailler. travailler avec les Travailler la parents. terre, c'est se lever tôt, aller dans le pâturage, enfin, et pas Exact. seulement dans la terre, mais voilà. Au Brésil, là aussi, j'imagine que si tu fais un voyage comme ça dans le Brésil, tu vas t'étonner de la différence des écoles.
D'un côté parce que c'est un peu nécessaire vu la taille du pays, mais d'un autre côté aussi parce que on a un système politique et donc éducationnel très bizarre parce qu'on est composé de d'États et chaque État a une certaine indépendance. On a des écoles qui sont réglementées par les États, il y a des écoles qui sont réglementées par les municipes, c'est-à-dire les villes. Les villes. Donc, il y a des différences déjà entre est-ce que j'étudie dans une école publique de l'État ou une école publique de ma ville ou une école privée. Et même entre les écoles privées, il y a des différences absurdes. Il y a des écoles qui peuvent coûter jusqu'à 6 000 reais le mois. 6 000 reais, ça serait à peu près 1 300 dollars américains le mois. Pour chaque enfant. Ça, c'est très, 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 très cher pour nous. C'est Donc, seulement ouais. l'élite qui peut se permettre d'y Et c'est accéder. normal. Normalement, ouais. Ben non, mais ça, c'est le maximum. C'est ce que moi, je connais comme maximum. C'est pas São Paulo. Et c'est, par exemple, l'école anglaise ou des écoles bilingues en général. Il y a un lycée français où moi, j'ai fait mes études ici. Mais les lycées français, c'est différent. Parce que les lycées français, ils appartiennent au gouvernement français, en fait. Et on appelle ça lycée français, mais en fait, ça va de la maternelle à la terminale, donc ça fait toute la scolarité. Mais donc les prix sont chers pour la population brésilienne, mais beaucoup moins chers que ce que je suis en train de dire là. Oui. Ah, OK. Mais nous, c'est les provinces qui gèrent les écoles. Donc, c'est des systèmes d'éducation provincial. Donc, d'une province à l'autre, c'est différent. C'est pas le pays qui gère le côté d'éducation. Et dans quel pays francophone tu es déjà allé? Francophone, c'est quand même très drôle parce que j'ai voyagé dans. J'ai presque visité tous les pays d'Europe. Je dirais pas tout, mais une bonne partie, même l'Europe de l'Est. Mais j'ai pas encore visité la Belgique et les Pays-Bas. Donc, je sais que les Pays-Bas ne sont pas francophones, mais j'ai visité la France à quelques reprises, la Suisse, le Maroc, je l'inclus, parce qu'on peut quand même bien communiquer en français au Maroc. Sinon, d'autres pays francophones, non, non, parce que j'étais supposé de partir au Sénégal, visiter d'autres écoles, donc en avril 2020. Et là, c'est ça. On connaît la suite des événements. Donc côté francophone, non, mais j'ai visité l'école en Nouvelle-Zélande. C'est dans le fond l'épisode 10. C'est une école trilingue, très intéressant. C'est une école rempli d'expats français. Donc, il y a une partie francophone, une partie anglophone, puis une partie maori. Et il y a vraiment un bel échange, pardon, entre les trois cultures. C'est super. Puis, parmi ces élèves-là, il y avait des élèves d'origine canadienne, des élèves d'origine belge. Il y avait même une petite francophone brésilienne. Je t'invite à regarder la vidéo. Elle parle au début de la vidéo. C'est très, très, très mignon. Elle a un bel accent. Non, c'est ça. Donc, côté francophone, à part l'Afrique, c'est pour ça que je suis quand même toujours curieux pourquoi les gens veulent apprendre le français, parce que c'est pas, tu sais, comme l'espagnol, donc c'est une des langues les plus parlées au monde, le Mais en fait, chinois. le français aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on parle nous. Mais le français, c'est il y a l'anglais, l'espagnol. Les langues les plus apprises dans le monde sont le chinois, l'hindi, donc en Inde, Oui. l'anglais, et la quatrième, c'est le français en fait. Wow. Alors même si on a quelquefois l'impression qu'il n'y a pas autant de pays francophones, en fait, le français, il est langue pas officielle, mais langue d'administration, etc., dans beaucoup de pays. Oui. Et même, on parle le français dans beaucoup de communautés dans les pays. Par exemple, même pas communautés comme au Canada, mais par exemple, si on fait des études académiques, si tu travailles dans des universités, dans tout le côté philosophie, sociologie, psychologie, il faut parler français. Donc, c'est vraiment une langue très, très importante. Ici, par exemple, à São Paulo,
On a la principale université du Brésil qui s'appelle l'USP, Université de São Paulo, qui a été fondée par des Français. Donc tout le matériel de base de cette université, c'est un matériel qui vient originellement de France. Toute la pensée de l'université, et ça fait, c'est pas seulement au Brésil, c'est dans beaucoup d'endroits. En fait, la France, elle a toujours colonisé un peu par la culture. Et ça, je parle de la France parce que c'est ce que je connais. Je pense que par rapport au Canada, ça doit être différent, la Suisse, la Belgique, mais je sais que la France, elle a un projet, par exemple, avoir des écoles francophones dans tout le monde. C'est déjà un projet, c'est pas très commun. Il n'y a pas des écoles canadiennes partout dans le monde, il n'y a pas des écoles brésiliennes partout dans le monde, mais il y a des écoles françaises un peu partout dans le monde. Ah oui, Et je confirme. alors ça, c'est curieux, c'est vraiment curieux que au Brésil, en Argentine, en Asie, il y a des écoles qui suivent le système français. C'est quand même... Et alors, tu sais, une curiosité, j'ai été de mes 3 ans à mes 14 ans, j'ai fait mes études dans un lycée français et j'ai jamais rencontré un Canadien. Ah, C'est fou. spécial. Mais Vraiment. oui, il y a pas, ben, y a pas beaucoup de, non, il y a pas beaucoup de Canadiens qui vivent en France. L'inverse est quand même Plus commun. plus commun. Donc, beaucoup de Français, surtout au Québec. Habituellement, le Français qui vient visiter le Québec, l'année suivante, demande un permis de travail. Et après, lorsqu'ils ont leur permis de travail, demande un permis la demande de citoyenneté, puis après le passeport. Donc, oui, puis il y a beaucoup d'opportunités hein, de travail au Canada, c'est incroyable. Donc, beaucoup de Français qui viennent faire leurs études ou trouver du boulot hein, au Québec, là, c'est très commun. Puis, ils aiment beaucoup je pense qu'ils aiment beaucoup l'hiver canadien, ils aiment le côté Moi, j'ai calme, peur de chaud. l'hiver canadien. Comment est-ce que Puis, c'est possible? juste pour te donner un petit exemple rapidement, là, mais vous savez, je vais juste faire un petit retour sur le foot, mais par exemple, Thierry Henry, vous connaissez Oui. le personnage, le joueur, il était coach jusqu'à dernièrement pour Montréal, l'équipe de foot de Montréal. Puis lui, il est venu parce que, justement, il aimait la culture montréalaise. Il trouvait que les gens, parce que, bon, il n'y a pas eu des critiques très, très populaires par les Français. Les Français, je pense qu'ils ont du plaisir à haïr leur vedette, si j'ai cru comprendre. Ils sont très faciles sur la critique. Donc, lui, ce qu'il aimait, justement, c'est de marcher dans les rues à Montréal, puis recevoir des bonjours, les salutations, puis l'accueil des gens ici. Je pense qu'on accueille bien les étrangers. Donc, ouais, c'est ça. Donc, les lycées là, français sont partout à travers le monde. J'en ai vu dans tous les pays, au Laos, au Cambodge. En Thaïlande, il y en a partout, partout. Donc, je confirme qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc, Olivier, c'est. je pense que tu t'entendrais bien avec mon frère. Mon frère, il est un site aussi. Je ne sais pas si j'ai dit ça lors du live avec Audrey, mais mon frère, il est un site. Il a travaillé pendant 7 ans, je pense, au lycée français ici à São Paulo. Puis il est parti en France. Il a passé son concours en France, dans la région parisienne, en banlieue parisienne. Et en fait, là, il travaille en SECPA. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, SECPA. Donc, il a des étudiants de 12, 13 ans. Mais lui, sa formation, c'est comme un prof de primaire. Et il a des étudiants qui ont 12, 13 ans et qui ont été presque déscolarisés, qui ont eu des problèmes, soit des problèmes de... Ça peut être des problèmes psychologiques, ça peut être des problèmes sociaux, ça peut être différentes formes de problèmes. Et ils ont presque été exclus du système d'éducation. Et pour pas les exclure, ce qu'ils font, c'est de les mettre dans des salles de classe avec moins d'étudiants et des professeurs qui suivent un modèle plutôt comme dans le primaire, où tu as un prof qui fait plusieurs matières différentes. Et voilà, donc ils travaillent depuis des années dans ce système-là en France. Un peu comme Et des alors, classes d'adaptation scolaire, j'imagine. ouais, à peu près ça, voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de les renvoyer dans le système normal ou alors de les orienter vers une formation technique,
ou quelque chose comme ça. Mais je dis que tu t'entendrais bien avec lui, pas seulement du fait que vous êtes tous les deux un site, mais mon frère adore voyager et il fait des voyages à vélo. Il va pas visiter des écoles, il a jamais fait ça, mais il voyage à vélo. Et il est jamais allé aux États-Unis, en Canada, aux États-Unis, rien de tout Mexique. ça. Mais il a fait des voyages, par exemple, il a fait de Buenos Aires jusqu'à Valparaíso, au Chili. Il a fait, à l'intérieur du Brésil, tu vas pas savoir, mais les gens qui sont là, ils vont savoir. De João Pessoa à São Paulo, je sais même pas combien de kilomètres ça fait, mais il a pédalé pendant 14 jours d'affilée. Il a fait en Europe, il en a fait beaucoup. Il n'est jamais allé en Asie encore, ni en Afrique, mais en Europe, il a fait toute la France dans tous les sens. Il a fait d'Amsterdam à Paris, l'Italie, pas mal de voyages. Et je pense que tu t'entendrais bien avec lui. Ben oui, je ne suis pas un fan de vélo, mais je ne sais pas si vous connaissez l'expression, pas un fan de. Oui, Oui, tout à fait, on je suis pas utilise en fan. français. Oui, c'est ça. Donc, c'est un des seuls sports que je ne pratique pas. Oui, je le comprends. Puis, j'ai croisé beaucoup de voyageurs en vélo là, durant mon année. C'est incroyable. Puis, surtout en Amérique du Sud, là, j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes. Beaucoup de. Ben, j'imagine qu'il faut avoir la passion là, Oui, pour vivre j'ai comme ça, jamais mais. réussi à faire un voyage avec lui. J'ai envie, mais un voyage très court. Hein. Pour moi, 3 jours maximum. Les Lui, il passe 20 jours. gens qui traversent le désert de Uyuni en Bolivie. Il l'a fait, mon frère. Ah non, Il moi je a fait la comprends Bolivie. pas. Ah, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. C'est de la folie, oui. Ouais. Dans le fond, tu me disais que tu étais franco-brésilienne. Es-tu née en France? Parce que peut-être que les gens ils savent déjà, mais moi non, je suis pas au courant. Oui, Mais tout à fait. tu es née Non, en moi je suis née France au Brésil. Je au suis née au Brésil. Brésil. Ma Parfait. mère est venue au Brésil quand elle avait 30 ans. Et puis pas très longtemps après, elle a connu mon père. Ils se sont mariés, ils ont eu mon frère, qui est 3 ans plus âgé que moi. Et puis après moi. Et ma mère est restée au Brésil pendant 35 ans. Et en fait, ça fait 4 ans qu'elle est rentrée en France. Elle a divorcé de mon père. Elle s'est remise en couple avec son premier amoureux de la vie. Et donc, qui est français, qui s'appelle Olivier d'ailleurs. Et elle habite à Nîmes, qui est dans Ah le sud oui. de la France. Et 2 ans, je pense que c'était 2 ans avant ça, mon frère était parti habiter en France. Donc, passer un concours dans l'éducation nationale française et tout. Mais mon frère et moi, on est nés au Brésil. Mais c'est ma mère qui est venue donc à 30 ans au Brésil et donc toute la famille de ma mère habite en France. Maintenant, il y a un oncle qui habite aux États-Unis, mais sinon, du reste, tous mes oncles, mes grands-parents habitent en France, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, tout le côté de ma mère. Et tout le côté de mon père habite au Brésil. Et puis, est-ce que tu te sens étrangère quand tu visites la Partout. France? Partout? Je me sens étrangère partout, Olivier. Je me sens étrangère en France et je me sens étrangère au Brésil. Ah, ben oui, je C'est comprends. un karma de ma vie, peut-être, parce Mais que moi, je suis très typée pour les Brésiliens. S'ils me voient, ça c'est une expression qu'ils vont pas connaître. Mais typée, c'est je suis très blanche, j'ai les yeux bleus, je suis un peu plus blonde. Et même physiquement, je suis assez grande. J'ai vraiment un type physique très différent des Brésiliens en général. Donc ici, très rapidement, ils me disent, mais tu es d'où? Et puis je pense aussi que, par exemple, je m'habille un peu différemment. C'est pas exactement la mode brésilienne. Donc, ils savent, ils reconnaissent rapidement. Je parle portugais normalement, hein, j'ai aucun accent. Mais quand ils me voient, mon image les fait penser que je suis étrangère. D'ailleurs, si je suis dans un aéroport, par exemple, on vient toujours me parler en anglais. On ne vient jamais me parler en portugais. Mais d'un autre côté, quand je suis en France aussi, parce que vu que je suis née au Brésil et j'ai grandi au Brésil, même dans une communauté très française, au lycée français, etc. Mais il y a des petits détails sociaux, culturels, qui ne font pas partie de moi.
Tout simplement. C'est drôle parce que cet après-midi, j'ai appelé un cousin. Ça faisait très longtemps que je lui parlais pas, Sacha. Et on est resté 2 heures au téléphone. J'ai pas bossé pour parler avec lui. Mais c'était très, très bien, en fait, de parler avec lui. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois, il utilise plein d'expressions et il me dit, tu vois, ça, tu vas pouvoir montrer à tes élèves. Et il utilise des expressions que moi, je n'utilise jamais. Je comprends quand il parle, mais je n'ai pas l'habitude de les utiliser. Et ça, c'est parce que j'habitais pas en France quand j'étais petite ou quand j'étais adolescente. Donc, tu as appris les deux langues de façon de parallèlement. Donc, maman parlait français, papa portugais. Oui et non. Parce qu'en fait, ma mère, elle a toujours. Alors, j'ai un bébé qui a 1 an et 11 mois. Demain, il va avoir 1 an 11 mois. Et je me rends compte que ce que ma mère me dit, c'est impossible que ce soit 100% vrai. Parce que ma mère m'a toujours dit qu'elle n'arrivait pas à nous parler français quand on était petit. Parce qu'elle ne voulait pas nous exclure de la relation avec mon père. Mais je suis sûre que ce n'est pas vrai. Pourquoi elle me parlait beaucoup en français, mais elle dit toujours que quand mon père était présent, elle n'arrivait pas à nous parler en français. Je suis sûre que c'est pas 100% vrai, parce que moi-même, j'arrive pas. Il y a des choses qui me sortent automatiquement en français avec mon fils. Et moi, je suis née au Brésil, j'ai grandi ici, donc je suis sûre que pour ma mère, c'était encore plus naturel que ça sorte en français. Par exemple, s'il pleure, je lui parle en français. Si je le gronde, je lui parle en français. Quand je lui chante des comptines, c'est souvent en français. Et voilà. Donc, je pense que ma mère faisait la même chose. Et moi, je suis allée au lycée français donc à 3 ans. Et au lycée français, à mon époque, on avait de cours de portugais qu'à partir de. De quel âge? De. Attends, j'essaie de me souvenir. De 9 ans. Donc c'était très bizarre parce que j'ai appris à lire et à écrire en français, mais j'habitais au Brésil. Donc je sortais dans la rue et je me souviens avec mon frère, on regardait les panneaux et tout et on essayait de découvrir ce qui était écrit parce qu'on avait appris avec les règles françaises. Donc AU sont de O, OI sont de WA et en portugais c'est pas du tout comme ça. Donc c'était assez drôle. Puis, j'ai une dernière question par rapport à ça. Ça m'intrigue toujours pour les personnes parfaitement bilingues. Ton quotidien, bon, j'imagine dans la vie familiale, c'est plus portugais, mais tu travailles 100% sur cette plateforme, j'imagine, qui est l'enseignement du français, des capsules en français. Est-ce que tu penses en français ou en portugais? Est-ce que tu rêves en portugais ou en français? Ça m'intrigue toujours, moi, ce côté-là, pour les personnes qui vivent au quotidien avec les deux langues. On me pose toujours cette question. Olha só, galera, essa é uma pergunta que vocês me fazem sempre. Elisa, você pensa em francês ou em português? Você sonha em francês ou português? On me pose toujours cette question. Et je ne sais pas. Je te jure, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je pense et que je rêve en images, en sensations, pas en phrases complètes. Je ne pense pas qu'on pense en phrases complètes. Je pense qu'on pense en mots comme ça et qu'en fait, dans notre tête, il y a une connexion. Quelquefois, oui, on pense. Ah, ta, 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 ta. Et alors là, ça dépend. Si là, je suis en train de parler français, je pense en français. Mais si je parlais en portugais, je peux rapidement passer d'une langue à l'autre. Et même à l'espagnol aussi. Je parle très, très bien l'espagnol aussi. Donc, je passe à l'espagnol rapidement et donc Puis je sais pas l'anglais, te répondre. ça va? L'anglais aussi, mais je me sens moins à l'aise en anglais. Tu parles couramment l'anglais? Non. En Non. fait, je le comprends, même que je le perfectionne en ce moment. Je le comprends très bien, je regarde les films en anglais, il n'y a aucun problème, mais ça fait pas partie de mon quotidien, l'anglais. Voilà. C'est Ben seulement pour regarder des films, des séries, mais sinon, je n'ai pas besoin de parler anglais dans mon quotidien. Mmh. Je sens un peu ça par rapport à l'anglais. J'ai commencé à prendre des cours d'anglais quand j'étais petite, j'avais 9 ans, quand mes parents m'ont inscrite dans une école d'anglais parce que c'était important de parler l'anglais, Nathalie. Mais j'ai jamais aimé l'anglais et j'ai étudié dans des systèmes très traditionnels où il fallait apprendre les verbes,
enfin, on doit toujours apprendre les verbes, mais c'était vraiment basé sur la grammaire, sur les règles, et pas sur la communication, et pas sur, moi, ce que je leur dis à mes élèves, c'est, faut vivre la langue. Donc, avant de s'inquiéter si je sais la liste de tel verbe ou tel verbe, il faut vraiment vous nourrir de français. Donc, il faut écouter de la musique, il faut voir des films, il faut lire des livres, il faut faire la cuisine en français, il faut s'amuser. Voilà, voyager, tout à fait. Voyager, soit voyager avec ses valises, prendre l'avion, le bateau, etc. Et si on n'a pas l'occasion de voyager comme ça, ben, créer son propre voyage à la maison, parce que c'est tout à fait possible aussi de commencer le voyage sans partir. Mais je n'ai pas appris l'anglais comme ça. D'une certaine façon, ça m'a traumatisée avec l'anglais. Donc, je parle très bien l'anglais. J'ai habité à Londres un an, mais je me sens moins à l'aise. Ah, je comprends. Non, c'est sûr. Puis, quand on fait, par exemple, quand j'ai passé 6 mois en Chine, j'en avais aucun ami francophone, aucun ami anglophone. J'ai appris. Après 6 mois, je communiquais puis je faisais toutes mes courses. Au Québec, on dit magasinage. Est-ce que vous connaissez cette expression? Oui, je faisais tout en chinois, même si j'avais pas pris de cours de grammaire. C'est ça, il faut être, faut, comment dire, focalisé, faut se mettre dans un contexte. Il faut le vivre pour apprendre une langue. C'est pas seulement écouter un enseignant. Puis, ce que je trouve formidable avec tes conversations avec des étudiantes ou des étudiants, là, c'est magique comme pour apprendre. Tes étudiants sont très chanceux. Là. Donc, c'est du concret, puis ils sont vraiment investis à 100% dans leur apprentissage. Donc, vraiment, c'est vraiment un beau projet, une belle plateforme que tu as créée. Merci beaucoup. Félicitations, merci beaucoup. Ouais, vraiment. Et regarde, il y a quelques questions. Donc, oui. Je suis contente d'avoir vu les questions. Il y a une élève à moi, d'ailleurs, qui te pose une question. Babita Dantas, elle s'appelle. Elle a demandé en français, puis après, elle a demandé en portugais. Où au Canada, il vaut mieux habiter si sa famille veut apprendre l'anglais et elle veut apprendre le français? Bonne question. C'est sûr qu'à Montréal, c'est possible. Donc, il y a beaucoup d'anglophones à Montréal. Il y a beaucoup d'écoles, autant anglophones que francophones. Ben pas autant, mais apprendre la deuxième langue, même travailler. Je connais beaucoup d'étrangers qui parlent même pas le français puis ils vont trouver du travail en anglais, c'est possible. Par contre, par exemple, la capitale, Ottawa, la capitale du Canada, c'est une ville bilingue. Donc, les deux langues sont parlées, sont comprises. Sinon, vraiment, il y a certaines petites villes, communautés un peu partout à travers le Canada, mais je pense que Montréal est un bon choix, surtout pour l'opportunité de travail, même les études. Vraiment, on cherche beaucoup, beaucoup de travailleurs dans tous les domaines. Très bonnes universités aussi. Mais sa question, c'était pour vivre, parce que son mari veut apprendre... Son fils et son mari veulent apprendre l'anglais et elle veut parler français. Donc, c'est vraiment le Montréal. Je conseillerais Ottawa et Montréal. Peut-être qu'il y a d'autres suggestions, mais pour ma part, c'est sûr d'éviter Toronto. Ça, c'est la plus grande ville, la ville économique. C'est vraiment anglophone. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des petites communautés francophones, mais dans ce cas-ci... Dans leur situation, je leur conseillerais Montréal. Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup de Brésiliens. Donc, ils peuvent se faire aussi des amis. Là. Donc, bonne question. Et Bruno te demande si tu parles d'autres langues. Il a dit « tu ». Je pense que c'est à toi la question. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est pour toi. Bruno. Donc, Bruno. D'accord. Donc, je parle... J'aime beaucoup les langues. Par exemple... Je vais toujours écouter les séries dans la langue originale. J'ai regardé sur Netflix 3%. J'ai regardé 3%. Ah, 3%. 3%, la série brésilienne. Ah, 3%, oui. J'ai regardé en portugais. J'ai adoré la première saison. Après, j'ai perdu l'intérêt. Mais je regarde des séries en coréen.
Je vais l'écouter en coréen. J'ai une fascination pour les langues. J'ai une facilité, par exemple, quand tu parles en portugais, je comprends 80%. Et étant donné que j'ai une facilité avec l'espagnol, le français, je fais des liens faciles. Même que j'ai visité la Roumanie, qui était aussi une langue, le roumain est une langue latine aussi. Oui. Quand on écoutait la radio dans la voiture, j'avais de la facilité à comprendre. Non, j'aime beaucoup les langues. Dès que j'arrive dans un nouveau pays, j'apprends les mots de base du pays. Je trouve que c'est une forme de respect. Je vais jamais, 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 jamais dire bonjour en anglais dans un hôtel. Peu importe, je vais utiliser les mots de. Même si je me trompe, j'aime mieux avoir essayé que de parler une autre langue. J'ai la facilité avec l'espagnol, le français, le chinois, j'avais la facilité avant, mais comme je ne le pratique plus, je peux le comprendre quand même assez bien. Je connais encore quelques mots, quelques phrases. Sinon, non, Mais tu penses j'ai que pas de connaissance. ta deuxième langue, c'est l'espagnol ou l'anglais? Côté intérêt, c'est l'espagnol, mais j'ai plus de connaissances en anglais. J'ai pas d'intérêt sauf pour le voyage parce que c'est la langue commune qu'on rencontre d'autres voyageurs. Généralement, la communication se fait en anglais. C'est super important. En fait, j'ai perfectionné mon anglais en voyageant. C'est comme ça que je l'ai. C'est fou pour les Brésiliens d'entendre dire ça, vu que tu habites au Canada, que tu aies dû partir loin pour perfectionner l'anglais. Oui, mais j'ai pas, c'est ça, dans notre quotidien, on n'a pas besoin de parler. Mais là, je parle pour moi parce que je suis enseignant à l'école primaire, mais mes amis qui travaillent soit comptable ou avocat, le bilinguisme est nécessaire. C'est un critère d'embauche. Faut parler deux langues, même que maintenant, on conseille trois langues pour certains emplois, là. Et c'est laquelle la troisième langue? L'espagnol? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend du domaine. Mais l'espagnol est très, très utile. Même le chinois, là, est très utile pour le commerce. Ouais, pour ma part, là, tout se passe en français, mais j'adore la musique étrangère. Même si je comprends rien, j'adore entendre les paroles d'autres langues. Ouais, c'est ça. Je parle pas beaucoup de langues, mais j'ai des petites connaissances dans peut-être une dizaine de langues, mais je peux pas me considérer comme si je parlais Polyglotte. tout. Non, exactement. Non, 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 pas du tout. Ouais. J'ai enlevé les commentaires parce que c'était sur ton visage, mais je les remets de temps en temps pour voir si les gens Ah. veulent poser des questions. Estou tipo tirando os comentários para não ficar na cara dele, tá, pessoal? Est-ce que tu as une curiosité sur le Brésil? J'ai une curiosité sur le monde. C'est sûr que oui, le Brésil, c'est un pays intriguant. Moi, quand je voyage, c'est vraiment la priorité, c'est les rencontres humaines. C'est aller à la rencontre. Moi, j'ai souvent été dormir chez l'étranger. J'aime me perdre. Dans une ville, j'adore me perdre parce que ça me. Sans téléphone, sans connexion, pour pouvoir me débrouiller, pour pouvoir aller demander à l'habitant, au local, à la personne qui habite là, demander les directions. Puis, il suffit d'une petite conversation pour qu'il nous invite à aller boire un café. Puis après, bon, je rencontre la famille en soirée, puis on crée des liens. Pour moi, c'est ça le voyage. De ce que je connais des Brésiliens, c'est sûr que j'aurais du plaisir. J'ai déjà participé à des fêtes brésiliennes au Québec. La nourriture, mange beaucoup, c'est très bon, c'est épicé. Beaucoup de musique, c'est joyeux. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le froid. Je suis très, on a frileux. Tu connais l'expression frileux? Oui. Si je pouvais. Alors, c'est compliqué de ne pas aimer le froid et d'habiter Oui. au Canada quand Oui, même. mais en même temps, je me dis, on est loin de toutes les catastrophes météorologiques, là. Nous, pas de tremblement de terre, pas d'ouragan, on est protégé. Le seul point négatif pour ma part, c'est vraiment le froid, parce que
je pratique pas les sports d'hiver comme le ski, la planche à neige. Par contre, il y en a beaucoup qui aiment ça, mais moi, je trouve par contre pour la santé mentale, ça crée un équilibre. Donc, nous, là, quand l'été arrive, nous, pour nous, l'été, c'est de juin, comme en France, c'est de juin à septembre. Les Québécois deviennent fous, dans le sens qu'ils, quand il commence à faire 17 degrés, c'est les gens, ils vont enlever leur chandail, ils vont aller dans les parcs pour se faire bronzer. Puis, 17 je pense. degrés, nous ici, on a des écharpes, des Oui, gants, c'est des... ça, mais nous, on vit à fond chaque saison. Donc, l'été, c'est vraiment, il peut faire jusqu'à 40 degrés avec l'humidité, puis l'hiver, moins 40 avec l'humidité. Donc, c'est vraiment 80 degrés de différence. Donc, on vit intensément toutes les saisons, puis on apprécie davantage l'été parce que on sort d'une période noire, parce que vous savez, je ne sais pas si vous saviez, mais on change. L'heure, étant donné qu'on est plus au nord, vous êtes plus proche de l'équateur, mais l'hiver, pour nous, le 21 décembre, il fait noir à 4 heures. Donc, c'est sombre. Tandis que l'été, c'est vers 10 heures que le soleil se couche, un peu comme la France. Donc, Je te dis que j'habitais à Londres et c'est comme oui, ça à Londres aussi. Et exact. même si à Londres il fait pas si froid, quand même, quand il commence à faire 17 degrés, tout le monde est ultra content, tout le monde va dans les parcs, faire des pique-niques. Et c'est vrai que c'est une expérience pour un Brésilien, c'est une expérience complètement différente, une expérience on a l'impression que les gens fêtent la vie. Les fleurs commencent à apparaître, il y a encore un peu de neige et puis tout d'un coup, des petites fleurs, des petites feuilles qui apparaissent. Et ça n'existe pas au Brésil parce qu'on a tout le temps des fleurs, tout le temps les arbres verts, même en hiver. Enfin, il y a des arbres qui perdent leurs feuilles, mais il y a toujours du vert. Ouais, puis votre météo est moins est plus prévisible. Je pense que vous avez un peu. Est-ce que vous avez une saison plus pas la mousson, mais la saison pluie, une saison On a beaucoup de sèche? pluie. Notre problème climatique, vous, c'est la neige. Nous, on n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas de volcan, on n'a rien de tout ça, mais on a de grosses, grosses pluies et de grosses inondations. C'est notre problème à nous. Donc, il y a beaucoup de morts avec les inondations et tout. Et il paraît que le Brésil, c'est le pays qui a le plus d'éclairs aussi Ah dans le oui. monde. Donc, tout le monde a déjà entendu parler d'une histoire de quelqu'un qui est mort parce qu'il a reçu un éclair. C'est une histoire assez bizarre, hein. Frappé par la Mais foudre. voilà, la foudre, exactement. Wow. Donc, Mais comme aujourd'hui, je donne un exemple, il a fait 9 degrés. C'est la journée la plus chaude depuis, je dirais, octobre. Et là, c'était tout le monde aujourd'hui est allé prendre des marches à l'extérieur. On entend la neige fondre. C'est vraiment spécial. Puis là, on pense que c'est l'arrivée. Le printemps arrive officiellement le 20 mars, mais il y a toujours une autre tempête de neige en avril. Comme on commence à s'habituer à la chaleur un peu, puis boum, 35, 6, 10 cm de neige tombe dans la même journée. Donc, c'est très imprévisible la météo au Québec. Donc, les précipitations, on peut avoir une semaine sans pluie. Après 2 jours de soleil, il n'y a pas de constance, donc on ne sait jamais, on sait jamais. alors, pour parler du Brésil, c'est un peu difficile parce que, par exemple, dans le Nord-Est, il n'y a jamais d'hiver. Quand j'habitais à Londres, j'habitais avec un ami de Recife et il n'avait jamais, il n'avait pas de vrai pull. Donc, on avait dû aller dans des magasins avec une amie norvégienne pour qu'elle lui explique. Quel pull s'acheter? Parce qu'il savait même pas quel pull s'acheter. Tu vois, il avait juste un petit gilet, un truc, enfin, qui protégeait pas du tout. Donc, on a ce type de climat. Et alors, c'est un peu difficile aussi de dire du coup comment est la température au Brésil, le climat au Brésil. Mais en tout cas, à São Paulo, ça peut être très instable, mais dans un certain degré d'instabilité. C'est-à-dire, on n'aura pas de
température négative. On n'aura pas de moins 2, moins 3, moins 20, moins 40. Pas du tout. Mais dans la même journée, il peut faire 10 degrés le matin. Et puis tout d'un coup, 27 degrés l'après-midi. Et le soir, 10 degrés de nouveau. Donc, c'est un assez grand changement pour une seule journée. Et surtout, on n'a pas de préparation, on n'a pas de chauffage dans les maisons. Donc, quand il fait 10 degrés, c'est qu'il fait 10 degrés à l'intérieur aussi. Donc, il fait vraiment froid et on a des écharpes à l'intérieur, ce qui est très bizarre pour un Européen ou pour un Canadien, j'imagine. Il y a des nuits où il fait juste trop froid et que tu as envie de dormir avec des gants, trois chaussettes, un manteau. Et on n'est pas préparé en fait pour le froid. C'est pas le même type d'isolation, mais parce que moi, en voyageant, j'ai remarqué que la météo n'est pas un sujet de conversation quotidien. Mais au Québec, c'est un sujet de conversation à tous les jours, on parle de la météo. C'est vraiment, on planifie nos activités en regardant les prévisions météorologiques. Mais par exemple, quand je suis allé en Asie pendant 6 mois, j'ai pas ouvert mon application de météo pour voir, parce que je savais à quoi m'attendre. Est-ce que le Brésil aussi, est-ce que ça fait partie de votre culture de parler de la On parle météo? beaucoup de météo Oui, et vous on vous aussi? pète tout le temps. Alors, c'est sûr que c'est différent par rapport à vous parce qu'on ne doit pas s'attendre à 10 cm de neige. Ça n'existe pas au Brésil, la neige. Mais en été, tout le monde est là. Oh, quelle chaleur! Mais là, quelle chaleur! Mais quelle chaleur! Et en hiver, oh là là, mais il fait froid! Il fait froid! Et genre, il fait 10 degrés. Mais on se la crève de froid. Donc oui, on parle beaucoup de météo. Et quand il fait chaud, il fait très humide. Après, ça dépend aussi, de nouveau, ben, moi je parle de mon point de vue, de São Paulo et tout. Mais il fait très humide, donc la chaleur, ça se sent vraiment. Est-ce que tu as visité ton pays? Tu connais très bien ton pays ou tu as... Très bien, non? Non. Parce que j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais enfant en France. Donc, je ne connais pas très, très, très bien, mais je connais pas mal d'endroits. Donc, je connais Rio, je connais dans les grandes villes, je connais Rio, je connais Curitiba, je connais Porto Alegre. Tu ne dois même pas savoir de quoi je parle. J'ai regardé la Coupe du Monde, donc les noms là reviennent. Ah, ok. Recife, Bahia, Voilà, je connais Recife, je connais. Alors, Bahia, c'est Bahia, c'est la l'État. province, c'est ça, Voilà, et à l'intérieur de Bahia, tu as la capitale de Bahia qui s'appelle Salvador. Je connais Salvador. Salvador, Où mais c'est se sûr. situe la capitale, Brasilia, c'est Brasilia? vraiment. Alors, ça, c'est aussi une drôle d'histoire parce que la capitale avant, c'était Rio. Et dans les années 50, 50-60, ils ont construit la capitale. 50, en fait. Ils ont construit une capitale à un endroit où il n'y avait pas du tout de ville. En fait, ils ont construit une ville de zéro qui s'appelle donc Brasilia et qui est vraiment en plein milieu du Brésil. Ok, spécial. Pour des Ouais. raisons de Pour des raisons, alors, pour des raisons bizarres, comme toujours au Brésil, parce qu'ils ont décidé que la capitale devait changer. Et tu imagines la quantité de corruption qu'il y a dû y avoir pour construire une capitale de zéro. Et alors aussi, c'est Et assez bizarre. c'est peuplé, Brasilia. Alors moi, j'ai connu Brasilia il y a un an. Un an et demi à peu près. Je connaissais même pas Brasilia. Brasilia, c'est vraiment la capitale économique du Brésil, c'est São Paulo. C'est l'axe Rio-São Paulo, mais surtout São Paulo où j'habite moi. Mais Brasilia, c'est la capitale administrative. Donc, c'est intéressant, c'est bizarre, c'est très différent pour moi qui suis de São Paulo. São Paulo, c'est une ville chaotique, les rues sont tordues, et Brasilia, c'est une ville planifiée. Donc, ce sont de grands axes, tu n'as pas l'impression de pouvoir circuler. Je pense même que tu ne peux pas trop circuler à pied d'un endroit à l'autre, il n'y a pas beaucoup de transports publics. Même si São Paulo, ce n'est pas le grand modèle de ville par rapport au monde de transports publics, etc. Mais c'est une ville, et moi j'habite aussi dans un endroit très privilégié de la ville,
C'est un quartier très arborisé, très vert, très, tu es allé à Buenos Aires, non? Oui. Très, pour moi, ça me fait penser à Palermo, là où j'habite. Palermo, c'est la... Palermo, tu as dû y aller, c'est là où il y a les bars. Il y a San Telmo, mais il y a l'autre Non, parce que je suis quartier. rendu vieux, moi, je me couche tôt, là. Je vais plus dans les bars. Non, même si t'es pas allé dans les Mais... bars, tu as dû y aller. Tu as San Telmo, mais tu as un autre quartier qui est plus vers le nord. Enfin, je sais pas si tu es allé, mais c'est un quartier plus bohème. C'est un quartier Oui, plus. ça me dit quelque chose, mais j'ai fait quelques walking tours, puis ouais, je pense que j'ai visité, T'as mais dû visiter. je pense qu'il y a un café très connu là, dans ce quartier-là. Là. Mais oui, mais la population au Brésil, je veux juste savoir, là, São Paulo, c'est combien environ la Oh, population? ça, je suis nulle, je vais devoir Oui. ouvrir le Ah, commentaire. Galera, c'est... qual é a população de São Paulo e qual é a população do Brasil? Eu sou péssima para números. Se vocês puderem me falar aqui, eu vou agradecer. Je vais attendre la réponse de mes collaborateurs parce que je suis nulle. Je sou péssima. Est-ce que tu connais la population du Canada? Non, je connais Je pas. C'est qui? l'ai dit un peu plus tôt, mais je te demande d'essayer de trouver. Juste Je en pense pensant que que c'est le vu. deuxième plus grand pays du monde. Oui, mais vu que vous acceptez tellement d'étrangers, je pense que ce n'est pas une population trop grande. Alors là, grazie pelo mundo a dit Brésil, 208 millions d'habitants. Et São Paulo, si je ne me trompe pas, la ville de São Paulo, je pense que c'est 18 millions. On va me corriger si je me trompe. Et ce qu'on appelle la grande São Paulo, c'est São Paulo et toute la banlieue autour. Ça arrive. Non, je vais laisser les gens dire. Je ne veux Ah, pas les dire gens des parlent de bêtises. 12. Oui, 12 millions, ils disent. Alors, 18 millions, ça doit être la SCP, 21. Alors, 21, ça doit être la grande São Paulo, c'est-à-dire São Paulo et les petites villes autour, les banlieues autour. Donc 21, c'est la moitié de la population du Canada, environ. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait Non, au Canada. non, 40, pas plus que 40 millions. C'est ça, beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace vide. Beaucoup d'espace aussi inhabité là, au nord, là. T'sais, c'est très froid, donc très difficile d'accès. Donc la population est très concentrée dans trois grandes villes. Donc, soit Toronto, Vancouver et Montréal. Ouais. Oui, au Brésil, la population est très concentrée dans les côtes et dans les villes qui sont, par exemple, São Paulo, ce n'est pas une ville de côte. Tu n'as pas la mer. Grande São Paulo, ils disent 44 millions, c'est ce que j'allais dire. Donc, Wow. juste la Grande São Paulo, c'est la population du Canada. Plus. C'est fou, c'est fou. Wow. Alors, donc là, tu commences à voir un peu quelle est la taille du Brésil, quelle est la taille des villes au Brésil. Et alors, si tu regardes une carte du Brésil, tu vas voir que la population, elle se concentre sur un axe qui fait un peu la côte et que vers le centre, tu as un peu, par exemple, Brasilia, tu as une certaine quantité, mais tu as aussi pas mal de vide. L'Amazon. Mais pas vide comme chez vous, hein. Oui, l'Amazone, par exemple. Mais pas vide comme chez vous. Je pense que même... São Paulo, est-ce que c'est une ville très dangereuse? Le danger, alors là, je vais dire un truc qui est assez bizarre, mais si je vous demande, est-ce que... Oui, c'est une ville dangereuse, mais le danger, ça se mesure aussi par nos habitudes de vie. Par exemple, j'avais jamais été volée à São Paulo et en 6 mois en Argentine, j'ai été volée 4 ou 5 fois. Et ça avait à voir avec le fait que je me portais comme une étrangère en Argentine. Et au Brésil, non. Je C'était une connais les codes. cible. Voilà, je connais les codes. Donc, je vois qu'il y a une espèce de mouvement un peu bizarre. Et ça, c'est pour dire que oui, bien sûr, c'est une ville beaucoup plus dangereuse que toutes les villes probablement du Canada et que... presque toutes ou toutes les villes d'Europe, mais il y a des villes beaucoup plus dangereuses en même temps
au Brésil que São Paulo. Il y a du danger partout dans le monde, partout. Même au Canada, ça dépend, c'est justement des endroits à éviter, l'heure à laquelle tu visites ces endroits-là. Donc, tu sais, moi, les capitales en Amérique du Sud, toutes les capitales, après, quand le soleil est couché, là, moi, je sortais pas, là, donc je prenais pas de chance. Peut-être, Buenos Aires, je dirais que c'est une des villes, peut-être, je dirais parmi les capitales d'Amérique du Sud visitées, ça serait une des plus sécuritaires. Mais encore là, ça dépend, ça prend une mauvaise personne au mauvais endroit. Donc, il y a plus, j'ai de la difficulté. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais senti en danger en voyageant parce que justement, j'ai l'habitude, puis je fais pas exprès de me mettre dans des situations dangereuses, mais on n'est pas. On sait. Tu sais, dans le fond, il y a un risque partout. Ça prend une mauvaise personne. Il faut pas généraliser, là. Tu sais, moi, je me dis, des fois, on peut entendre, ah, le Brésil, c'est un pays dangereux. J'entends ça de d'autres touristes, mais encore là, ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend beaucoup de situations, là. Mais c'est un pays dangereux, c'est un pays, comme c'est un pays de contraste, c'est un pays, parce que là j'ai vu Xavier, je pense que c'est Xavier 67 qui a dit Rio de Janeiro, surtout Ipanema et Copacabana sont très dangereux. Moi-même, ça faisait très 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 longtemps que j'étais pas allée à Rio et j'y suis allée l'année dernière, à la fin de l'année dernière, et j'ai été impressionnée. Mais ça a à voir avec les contrastes. Parce que dans la ville de Rio, tu as dans la ville même de Rio, en même temps, juste à côté, les favelas, qui sont les bidonvilles, en plein milieu de la ville, avec des énormes maisons juste autour. Donc en fait, tu as tous les gens qui sont défavorisés, qui sont exclus de la population d'une certaine manière et qui sont exposés en même temps à une extrême richesse. On a ça au Brésil, à São Paulo aussi, mais d'une manière un peu différente. Un peu, pas énormément différente, mais un peu différente. Et je pense que le danger, ce qu'on appelle danger, c'est ce qu'on appelle non, le danger, finalement, c'est surtout quand on a de grands, grands contrastes. Paris, ça peut être très dangereux. Selon où on va. J'ai déjà eu super peur dans les métros à Paris. Le soir, en tant que femme seule, j'ai eu super peur, beaucoup plus peur que dans les métros à São Paulo, par exemple. Mais après, ça dépend, c'est ça dépend de code, ça dépend d'énormément de choses qu'on ne connaît pas. Et quand on connaît les codes de la ville, tu vas savoir un peu plus où aller, où ne pas aller, à quelle heure aller, etc. Exact. Mais j'ai entendu dire qu'à Rio, les favelas, c'est devenu sécuritaire, même Non, c'est parce qu'il y a un mouvement Ouais. de. Pour Comment je éliminer. peux dire ça? Non, pas. Il y a un mouvement pour éliminer, mais ça va jamais s'éliminer. C'est un problème très, très. Les gens qui sont là Ancré. vont dire que. Oui, ils vont dire ce qu'ils pensent, mais c'est un problème, ça va jamais se résoudre. En fait, tant que l'éducation ne change pas, tant que d'autres choses ne changent pas. Mais il y a un mouvement de touristification, je ne sais pas si je peux inventer ce Oui, mot, bah des ça, favelas. j'ai compris. D'accord. Donc dans les favelas, genre emmener les touristes dans Oui. les favelas, montrer, et même des touristes brésiliens ou d'autre part, pour leur montrer comment est la vie dans les favelas, etc. Donc tu as une certaine partie de certains favelas où tu peux entrer en tant que touriste, mais tu vas voir un truc un peu pas très vrai, une C'est pas fausse vie. authentique, c'est Oui, ça. voilà. Oui, parce que j'ai vu justement, j'ai vu un reportage avec des Français qui ont bâti des Les Français adorent ce type de choses. Je sais exactement, pas. des petits hôtels, ils achètent ça pas cher, puis ils vont le rénover, puis créer des hostels, puis ouais, c'est ça. Mais c'est en fait, finalement, c'est pas authentique. Donc, si je Non. comprends bien. Ça existe aussi à Buenos Aires, ça. Puisque tu connais, je vais enlever les commentaires de nouveau parce que je ne te vois pas. Ça existe à Buenos Aires aussi. Je ne sais pas si puisque tu adores le foot, tu dois te souvenir de ce quartier qui s'appelle Oui, Boca. j'ai visité le Pas stade. authentique. Tu as deux rues où tu peux circuler. Et tout le monde te dit, si tu es touriste, tu as le droit de circuler dans ces deux rues-là.
Le reste, non, ne Non, va pas dans ces autres rues. ouais. Ben voilà, en fait, la vraie vie, c'est dans les autres rues. Là, c'est un peu décoré pour montrer, bon, voilà, on vit comme Ouais. ça. Et dans les favelas, je pense, j'y suis jamais allée, hein, dans les favelas de Rio. Mais je pense que c'est un peu la même chose. Et je ne juge pas non plus, parce que c'est aussi une façon de vivre que les gens ont trouvée. Ah, c'est une belle comparaison, ça, avec Boca. Mais Boca, c'est bizarre, hein. C'est, Oui, ouais, tu vas ouais. là, tu dis, OK, c'est un peu un scénario, un peu un Ouais. décor de film. Ouais, les couleurs sont vives, C'est puis joli, c'est oui. intéressant, mais en même temps, tu sens vraiment que c'est pas la vraie vie. Ouais, j'ai vécu la même chose, ouais. Ah, super. Super, Olivier. Merci beaucoup. Je remets les commentaires pour que les gens puissent Oui. te remercier. En tout cas, je te remercie infiniment de nous avoir appelés. Après, je vais créer un stories pour envoyer à ta page. Est-ce que tu peux m'envoyer par message direct de nouveau ton site pour que je le mette, que les étudiants puissent aller voir ça? E se vocês quiserem saber mais sobre o Olivier, eu vou deixar no meu stories o site dele para vocês procurarem. E je te remercie, c'était très, Merci très à agréable. toi, super apprécié. Puis vraiment, là, j'ai rencontré beaucoup de Brésiliens durant mes voyages, puis vous êtes vraiment sympathiques, ouverts d'esprit. C'est toujours plaisant de discuter avec vous. Et j'ai très hâte de visiter le Brésil. J'espère que ça sera dans les peut-être les 5 prochaines années, là. Sait-on jamais, mais espérant que le voyage puisse recommencer bientôt. Mais en même temps, nous devons être patients, mais faire une converser avec toi comme ça me fait voyager. Donc, merci beaucoup Tout à fait, de d'avoir ma part, pris. c'est la même chose. Oui. Et comme j'ai dit à Audrey, moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des étudiants qui adorent le Canada et qui m'ont fait découvrir un peu ce pays. C'était pas du tout un pays auquel je faisais attention. Pas pour rien du tout, hein. C'était juste que j'avais jamais réfléchi au Canada. Mais il y a tellement d'étudiants qui veulent partir au Canada et puis ça m'a donné envie. Et j'espère pouvoir bientôt pouvoir y aller. Bien sûr, on t'accueillera. J'espère, je vais être très très contente de vous rencontrer. Super. Ben, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore tout le monde. Merci à toi, Elissa. Très, très, Merci. très gentil. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Super. E pessoal, se você acompanhou essa nossa conversa, eu sei que ela foi desafiadora, é uma oportunidade de você ouvir diversas vezes. Eu vou deixá-la salva aqui no meu IGTV. E se você quer dominar a língua francesa em apenas 6 meses, participe da Jornada Fale Francês. É só você apertar no meu nome, entrar na minha página principal e lá em cima vai ter um link. Se você já fala francês e quer melhorar o seu francês, participe também da jornada, que eu vou te mostrar todo o caminho para isso. Merci beaucoup à tout le monde. Muito obrigado. Merci infiniment, Olivier. Un grand merci. Bisous. Bonne soirée. Ciao, ciao.